Just together, one of the highest French singers. Mais I know you know him. You meet him 2 years ago in Los Angeles. Vous l'avez rencontré à Los Angeles il y a 2 ans. C'est sa rentrée. Et le garçon blond avec des costumes pailletés qui, à 20 ans, se roulait par terre sur la scène de l'Alhambra, eh bien, il a fait du bruit, il a fait une carrière tout à fait extraordinaire. La jeunesse qui a fait de lui son leader ne s'était pas trompée. Il nous offre un très beau cadeau pour sa rentrée ce soir après plusieurs mois d'absence. 2 chansons nouvelles et vous allez voir des chansons qui lui ressemblent. Monsieur Johnny Hallyday. Je t'ai aimé malgré ma vie faite d'absence, avec mes cris et mes silences. Oh, je t'ai aimé, je t'ai aimé, je t'ai aimé. De fausse joie en vrai bonheur et de vraies larmes en coup de cœur. Oh, je t'ai aimé. Oui, je t'ai aimé. De mots d'amour en mots de haine qui voulaient tous dire je t'aime. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Et de guérison en blessure. Oh, je t'ai aimé. Oh, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. À t'en faire l'amour comme un dieu, à jeter mes amis au feu. Et je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Peut-être mal, peut-être trop, comme un génie, comme un idiot. Je t'ai aimé. Plus que Dieu, plus que tout. En tomber à genoux, à m'en briser. Un enfant comme un salaud, je t'ai aimé. Oh, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Avec mon ventre, avec mes mains, comme une reine, comme une putain, je t'ai aimé. Oh, je t'ai aimé. À en mourir, à en pleurer, et même jusqu'à supplier, je t'ai aimé. Comme on aime une seule fois, même si tu ne me crois pas, je t'ai aimé.
j'ai un moral d'acier. Et si tu crois qu'aujourd'hui, quand je ne sais plus quoi faire de ma vie, t'as rien compris du tout. On s'habitue, c'est fou. J'suis pas mort de chagrin. Solitude, mais on se fait à tout. Il faut bien, sinon on devient fou. J'suis pas mort de chagrin. Il y a encore des jours qui traînent et qui n'en finissent pas. Il y a des fois où j'ai mal à la tête. Oui, j'ai trop bu, j'ai plus de cigarettes. J'ai des nouveaux amis qui s'appellent le blues et l'ennui. Je ne suis pas du genre vraiment fragile, mais j'ai fini par haïr cette ville. J'y mettrai bien le feu pour le voir danser dans tes yeux. Rassurez-vous, il y en aura encore une. Merci Johnny de cette visite en eau. Il y a une bouteille d'eau qui est là. Ça va mieux? Je vous signale que Johnny Hallyday est venu chanter des nouvelles chansons et que le disque qui vient de sortir de lui est déjà disque d'or. Ça veut dire qu'en quelques jours, il a déjà eu un succès faux. Vous pouvez l'applaudir. Alors Johnny va prendre sa guitare. Et avant de nous interpréter la dernière chanson, qui est une chanson très originale qui s'appelle J'en ai marre. Je suis sûr que vous allez reconnaître beaucoup de choses d'ailleurs de l'actualité dans J'en ai marre. Hein, et vous comprendrez que de temps en temps il en est marre, en lui rappelant que nous avons un rendez-vous sur d'autres sphères, hein, dans d'autres, dans d'autres lieux. Non, c'est vrai, j'ai promis à... On peut le dire, On peut le dire, au mois de janvier. Bon, au mois de janvier, Michel reprend une nouvelle émission de télévision. Et puis j'ai promis d'être le parrain de cette première émission, de faire donc la première émission avec lui. En direct avec ses musiciens. Johnny, est-ce que le Palais des Sports, ça se prépare? C'est dans 2 ans? Oh non, c'est pas vraiment dans 2 ans, c'est dans 1 an. Maintenant. Dans 1 an déjà. Parce qu'on est au mois de septembre et puis 81, oui. Et que le Palais des Sports c'est septembre 82 pour 2 mois. Alors on va essayer de faire bon, mieux que la fois passée, bon ça c'était évident. Oui. Mais on va essayer de mettre une mise en scène pour la première partie. On va essayer de faire quelque chose. Bon, moi, je suis un fanatique des films d'horreur, un peu.
Alors, la première partie, je ne vais pas tout vous dévoiler, hein, mais on va essayer de faire une mise en scène de première partie un peu dans la fiction et film d'angoisse. Et puis, bon, la deuxième partie, eh bien, on essaiera de chanter des chansons qui auront plu. Très bien. Jusqu'en 82. Merci, nous terminons ce Star de rentrée avec Johnny et tous les participants reviendront pour le générique. Mais d'abord, j'en ai marre. Johnny Hallyday. Hallyday termine cette émission. Il va venir nous rejoindre, mais auparavant, il va faire un petit tour et prendre quelque chose. Voilà, Johnny Hallyday nous rejoint. Olivia Newton-John va revenir également. Et puis tous ceux qui ont participé à cette émission. Patrick Devers, Bertrand Blier, Claire Dasta, Michel Delpech, Jean Poiret, China Easton, Manitas de Plata, Micheline Prel, Guy Tréjean, je crois que je n'ai oublié personne. Et Johnny va d'abord venir avec un petit cadeau. N'oublions pas que c'est l'anniversaire aujourd'hui d'Olivia Newton-John. Voici ce qu'on vous offre. Happy birthday to you. Voilà, attention, j'espère qu'on voit bien. On va se retourner vers les caméras. Voilà, on va allumer la bougie. Johnny va se retourner quand on vous voit bien devant les caméras.
de Jacques Brialy pour la photo de famille, le gâteau. Voilà. Voilà. Heureux anniversaire. On va venir tous ici. Mon petit Jean Poiret, venez aussi embrasser Olivia Newton. Je sais que vous en mourrez d'envie. Venez, venez. Il va embrasser tout le monde. Voilà, Patrick Devers. On va tous se mettre ici quand vous voit bien. Venez, Guy Tréjean, Micheline Prel, China Easton, Bertrand Blier, Manitas de Plata, Claire Dasta, j'ai oublié personne. Merci infiniment d'avoir tenu le coup pendant une heure et demie dans une émission difficile, techniquement. Et je voudrais que les derniers applaudissements aillent avant qu'Olivia ne souffle son gâteau. Allons-y. Voilà, va bien. Happy birthday to you. Tout ce que je sais de la chanson en anglais. Non mais c'était très bien, en anglais c'était très bien. Merci Jean Poiret, merci à tous. Je voudrais que le dernier applaudissement aille vers les techniciens de la SFP et le réalisateur Jacques Brialy. Merci. Merci. Et alors il y a encore un autre petit cadeau, car ce soir il y a des cadeaux, c'est qu'Olivia Newton-John veut remettre à Johnny Hallyday, et ça je crois qu'il n'était pas au courant, un disque d'or, car il est déjà disque d'or avec ses dernières chansons. Voilà, ben, tout va bien. Messieurs les photographes, c'est à vous. Merci de votre attention. Restez sur TF1. Et comme chaque mois, nous terminons avec le générique composé par Jean-Claude Petit et Jean-Pierre Bourterre. Merci. Rendez-vous fin octobre. Merci à tous. Quand on veut. Quand vous voulez.